la bienvenue. Par leurs interactions avec les autres sciences, par leur capacité à décrire et expliquer des phénomènes complexes mis en évidence dans la nature et dans le monde technologique, les mathématiques jouent un rôle grandissant dans notre vie quotidienne. Elles suivent, accompagnent, quelquefois précèdent les développements scientifiques et technologiques actuels qui font aussi bien appel aux résultats de la recherche fondamentale la plus récente, Qu'aux découvertes accumulées dans le passé. Oui. Les mathématiques sont partout. Smartphones, ordinateurs, oui. cartes à puce, systèmes d'information, télécommunications, traitement de signal, cryptographie, localisation par satellite, décryptage du génome, prévision météo, le... robots, conception automobile et aéronautique, de... moteur de recherche, traitement de données. Du fait de cette omniprésence des mathématiques, elles sont nécessaires dans de nombreux parcours scolaires qui demandent d'avoir suivi leur enseignement au lycée. Les outils et techniques mathématiques vus au collège constituent la base de départ de notre travail avec les élèves de seconde. L'enseignement permet à chaque élève de consolider ses acquis du collège, de faire l'expérience personnelle de l'efficacité des concepts mathématiques, d'acquérir de nouvelles connaissances pour résoudre de nouveaux problèmes, en continuant d'apprendre à mobiliser les compétences déjà travaillées au collège. Chercher ou expérimenter, représenter numériquement, algébriquement, géométriquement, calculer, raisonner ou démontrer, modéliser ou faire une simulation, communiquer ou expliquer une démarche. Les méthodes de travail évoluent, de notions nouvelles comme les vecteurs en seconde ou les suites en première seront bien évidemment à acquérir. Mais cela se fait dans une continuité et une gradation permanente. Les mathématiques pour beaucoup, c'est avant tout des calculs, des démonstrations, l'application de résultats. Mais la pratique mathématique apporte aussi, face à toute situation, des capacités d'analyse et de raisonnement, favorise les prises d'initiative et par sa rigueur aide à la mise en place de méthodes de travail autant de compétences bienvenues et recherchées dans l'enseignement supérieur ou dans le monde du travail. Depuis la récente réforme, l'organisation de l'enseignement des mathématiques au lycée a changé. En classe de seconde, tous les élèves disposent dans leur emploi du temps de 4 heures de mathématiques obligatoires. Puis, chaque année, les élèves doivent faire des choix. Pour la classe de première, les élèves doivent choisir trois enseignements de spécialité. Ils ont donc le choix entre poursuivre les mathématiques en tant qu'enseignement de spécialité ou abandonner totalement et définitivement cet enseignement. Comme tous les enseignements de spécialité de première, la spécialité mathématique se fait sur un temps hebdomadaire de 4 heures. En classe de terminale, le choix en mathématiques est encore plus large. Les élèves ne devant conserver que deux enseignements de spécialité, ceux qui ont suivi l'enseignement de spécialité mathématique en première, peuvent choisir de l'arrêter, soit en abandonnant totalement et définitivement les mathématiques en terminale, soit en y consacrant trois heures par semaine à travers l'option mathématiques complémentaires. Les élèves choisissant de poursuivre la spécialité mathématique en terminale, lui consacreront 6 heures par semaine. Ceux ayant un goût affirmé pour les mathématiques et qui visent des formations où elles occupent une place prépondérante, peuvent en plus suivre l'option mathématiques expertes, auquel cas viendront s'ajouter 3 heures dans leur emploi du temps. En classe de terminale, c'est donc de 0, 3, 6 ou 9 heures de mathématiques dont peuvent disposer les élèves. Pour récapituler, les mathématiques ne sont plus obligatoires à partir de la classe de première, mais elles restent très présentes dans les parcours post-bac. Il faut donc bien réfléchir à l'importance de ces choix pour sa future orientation et sa poursuite d'études. Quoi qu'il en soit, tous les parcours mathématiques possibles sont ouverts au lycée Ambroise Croizat. Même si les mathématiques ont toujours été liées à de multiples activités, administratives, techniques, scientifiques ou culturelles, on assiste depuis une cinquantaine d'années à une explosion continue du nombre de domaines dans lesquels elles se révèlent indispensables. Informatique, intelligence artificielle, conception, métier de la santé, biologie, vétérinaire, agroalimentaire, développement durable, environnement, météorologie, construction, architecture, conception d'objets. Chimie, sciences de l'ingénieur, enseignement, gestion, finance, trader, audit, expertise comptable, gestion immobilière, sciences humaines et sociales, psychologie, sociologie, aérospatiale et bien d'autres encore. Autant de domaines où les mathématiques sont appliquées au travers de logiciels, de méthodes, de modèles déjà conçus, mais qui posent également des questions suscitant la création et le développement de nouvelles théories mathématiques. Toute l'équipe de mathématiques du lycée Ambroise Croizat vous remercie de votre écoute et de votre attention. Nous espérons que cette présentation aura su répondre à vos attentes et à certaines de vos questions. Si toutefois vous avez des interrogations, nous vous invitons à nous contacter, notamment par l'intermédiaire de la plateforme de messagerie mise à votre disposition sur ce site.